Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien chez vous. Enfin, comme on peut, hein, on va dire. Bon, j'espère aussi que vous avez passé une journée agréable et que vous êtes occupé un petit peu de votre bassin et de votre jardin. Bon, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, je profite un petit peu qu'il ne pleut pas pour remettre le jardin en état, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour l'instant. Alors, Philippe Bondu, bonsoir à tous, bonsoir à toi, Patrice, bonjour Patrick, depuis le fonctionnement des airlifts, as-tu des problèmes de débit? Je souhaite faire une cuve de décantation en béton branché, profondeur 1,70 m, avec 4 bondes de fond PVC 110. Bon, moi je n'ai jamais eu de problème, ici cet hiver, il y a au final juste 2 pompes à air qui ont cassé, mais bon... Ça a été remplacé, c'est-à-dire qu'ils ont cassé, c'est les membranes qui ont fini par lâcher. Et puis bon, ça a été remplacé, et puis ça se passe très bien. Il y a pas de souci avec les airlifts. J'ai jamais dû vraiment intervenir sur ces airlifts. Le débit est constant. Voilà, il y a rien à dire là-dessus. Alors, Patrice Desproy. Retour passant dans la dalle du fond, est-ce une erreur au niveau de l'étanchéité sans vanne? Après mise en place vanne, filtre à tambour 90, inox, filtration prévue tapis japonais, retour bassin par airlift suivant tes infos. Donc, retour passant dans la dalle du fond, je ne vois pas comment est-ce que tu vas faire pour passer un retour dans la dalle du fond. Enfin, en principe, le retour des airlifts se fait par le dessus et pas par le fond. Donc, je comprends pas très bien ta question, Patrice. C'est un petit peu nébuleux. En fait, je vais quand même préciser que demain, on aura un invité sur cette plateforme, à savoir Pitou de Akiflor. Donc, Pitou sera demain avec nous en duplex. Bon, on essaiera de faire en sorte que ça fonctionne. Et voilà quoi. Donc, ça c'est pour demain. Donc, l'occasion aussi de poser des questions à un professionnel du bassin de jardin. Alors, Michael Brusson, ça va demander, c'est normal, que le fond, au fond de mon aquarium, je retrouve un peu de moisi. Au milieu des graviers, c'est un peu normal ou quoi tu peux me le dire? Michael, si tu as vraiment de la moisissure au niveau de ton aquarium, l'idéal c'est de l'aspirer et de dégager tout ça parce que ça c'est certainement pas une bonne chose. Donc, quitte à remuer les graviers pour pouvoir aspirer en espérant que tu as un aspirateur à ta disposition. Alors, bonsoir à toi aussi, Elliot. Bonjour Patrick, j'ai vu sur certains sites qu'on pouvait donner des crevettes ou encore des vers de terre de jardin à des carpes koi. C'est vrai? Oui, c'est vrai, tu peux donner des crevettes, de la salade, enfin, si on prend de la laitue par exemple, ils aiment bien ça, mais il faut quand même faire attention de prendre de la laitue bio pour être sûr de ne pas avoir de pesticides avec, hein. Ça c'est clair que ça ils vont pas trop apprécier, c'est les pesticides, donc laitue bio, etc. Ce qui est aussi bien, c'est prendre une orange, la couper en deux, puis vous la jeter au bassin, ils vont vous la nettoyer. Mais évidemment, il faudra peut-être quelques fois avant que l'écueil s'habitue aux oranges, mais bon, en principe, il devrait vous les nettoyer vraiment impeccablement. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Alors, Elliot, non, ça j'avais déjà fait, donc ça c'était les... Alors, Phil76, bonsoir Patrick, bonsoir Phil. Pour mon prochain bassin, que pensez-vous d'un bassin de 30 000 litres avec 30% du volume en lagunage, avec un filtre à tambour et un système de pompe et lift? Oui, il y a pas de problème, hein, le lagunage 30%, n'oublie pas que le lagunage fait maximum 50 cm de profond. Donc ce qui veut dire que ça fait une terriblement grande surface par rapport au bassin. Maintenant tu peux entourer et faire entourer le bassin par exemple pour avoir toutes les plantations sur tout le tour en laissant une partie ouverte. Ça c'est possible de faire, hein. Mais bon,
lagunage, il faut toujours prévoir un système de purge du fond, des vases et des boues qui seraient dans le fond, parce qu'un lagunage peut digérer beaucoup de choses, c'est-à-dire toutes les parties organiques, si tu veux. Mais bon, ce qu'un lagunage ne peut pas faire, c'est digérer les poussières, tout ce qui est en fait de la caillasse. Hein, la poussière, il y en a des mégatonnes qui tombent, qui sont amenées par le vent. Et ça, évidemment, les minéraux ne peuvent pas digérer. Donc, inévitablement, inéductablement, un lagunage se colmate. Donc, il faut prévoir un système qui permet de désengorger le lagunage, le cas échéant. Ça, c'est le plus important. Sans quoi, j'en ai connu beaucoup de trop qui ont fait des grands lagunages comme tu envisages de faire. Et puis, au bout de 2-3 ans, tu es obligé de tout vider pour recharger la pousse de lame, parce que tu as mis de la pousse de lame là-dedans. Et c'est assez fastidieux à faire, croyez-moi. Vaut mieux prévoir quelque chose de correct. Tu retrouves un bel exemple dans mon site de comment est-ce qu'il faut faire un lagunage efficace. Hein, bon, 30% du bassin sur 30 000 litres, ça va faire quand même un sacré lagunage. Ce ne sera peut-être pas tout à fait l'application pour toi, mais bon, le principe, il est là. Alors, Diane Rogue, bonjour. À partir de quel volume est-il préférable de passer en gravitaire? Pour moins de 20 mètres cubes, est-il nécessaire? Ben, le gravitaire n'est pas une obligation. Hein? Bon, il faut savoir ça. Donc, on peut très bien fonctionner en mode pompé. Il y a même pour 20 mètres cubes ou plus. C'est pas le souci. Le souci, c'est que, bon, en mode pompé, toutes les crasses qu'on aspire passent par la pompe, par définition, et est attachée menu fin. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué à nettoyer par la suite, par le filtre. Donc, en mode pompage, forcément, il faut relever de l'eau. Et relever de l'eau, ça coûte cher en énergie. Donc, on peut faire du gravitaire, évidemment, pour des volumes même inférieurs à 20 mètres cubes. Il n'y a pas d'obligation de faire du gravitaire. Mais bon, croyez-moi que tous ceux qui ont fait du gravitaire, j'en connais aucun qui l'ont regretté. C'est un peu plus de boulot, si vous voulez, à la construction. Mais bon, après, c'est quand même un confort. Et surtout avec des pompes, ça permet de diminuer la facture d'électricité de manière sensible. Donc ça vaut vraiment la peine de le faire en gravitaire. Qu'est-ce qu'il faut en plus? C'est juste une petite tranchée supplémentaire pour passer le tuyau et point barre. Et évidemment, mettre le filtre à la hauteur du bassin. Donc ça veut dire que c'est un trou un peu plus grand pour placer le filtre et les accessoires qui vont avec. Donc c'est pas extraordinaire comme boulot en plus par rapport au creusement du bassin lui-même. Déjà 20 mètres cubes, c'est un beau volume. Donc voilà. Mais il n'y a vraiment aucune obligation. Maintenant, chacun est libre de faire comme il entend, bien sûr. Hein. Alors, de Elliott, les Tosseilles sont censés être publiées en ligne sur les sites comme Poisson d'Or ou Normandie Coe. Elles vont être publiées en ligne même s'il y a le virus. Ça, je ne sais pas, il faudra demander. Je crois que pour Poisson d'Or, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a plus de personnel. Et pour David de Normandie Coe, c'est un peu la même histoire. Il se retrouve tout seul. Bon, Poisson d'Or, je ne sais pas si vous voyez quel bahut c'est énorme. Et déjà rien que donner à manger aux poissons et tout le reste, ça occupe à temps plein David et son papa. Donc, c'est compliqué. Loric, allô Patrick, fidèle au poste. Bah oui, j'essaie quand même un tout petit peu de vous donner des conseils. D'autant plus que, bon, les misères vont commencer à arriver. Hein. J'ai eu notre ami de chez Coidor et il a déjà constaté quelques appels au secours par rapport à des parasites, etc. Et alors aussi, évidemment, ça va être un printemps difficile avec des poussées d'algues un petit peu généralisées. Alors, je voudrais quand même, avant de continuer à répondre à vos questions concernant vos questions en général, donc concernant les filamenteuses, il est inutile, du moins si vous êtes dans la partie nord, de commencer à des traitements avec du bioboost, du bactogène. Il faut vraiment que l'eau soit au moins à 15 degrés. Donc, et plus, c'est encore mieux. Donc, ne commencez pas à
à mettre du beer booster maintenant, c'est peine perdue, ça coûte cher, et puis finalement, ça ne servira pas à grand chose. Donc, attendez encore un peu, d'autant plus qu'ils attendent, comme j'ai pu remarquer, pour la zone du Nord, les zones du Nord, un refroidissement quand même la semaine prochaine. Donc, ça n'est pas vraiment une bonne idée de traiter maintenant. Il faut prendre patience et sachez que de toute façon, les algues filamenteuses ne présente absolument aucun risque pour les poissons, donc ça n'a aucune incidence négative. Alors, de Alex, salut Patrick, salut à tous, ben, salut Alex. 1985e, bonjour les amis, j'ai un bassin de 10 mètres cubes, j'ai chauffé 15 degrés tout l'hiver et je me suis rendu compte beaucoup de vases et algues filamenteuses. Ma filtration a tourné tout l'hiver. Oui, si tu as beaucoup de vases, c'est que tu as peut-être laissé tomber, tu n'as pas couvert sur ton bassin ou je ne sais pas. Donc ça, c'est pas très normal. Et puis, les algues, bon, ben là, je crois que c'est quelque chose qui va être généralisé. Pour le moment, ben voilà, il faut faire avec. Alors, de Jérémy Hawott, bonsoir Patrick. Je ne sais pas si tu as reçu ma photo concernant l'argile de la pharmacie, qu'en penses-tu niveau bassin? Oui, je n'ai pas beaucoup de temps, excuse-moi Elliot, de répondre aux mails, etc. Parce que bon, j'en reçois un petit peu trop là ces derniers temps et je voulais quand même aussi avancer un petit peu dans mon jardin, sachant que je suis tout seul et que c'est pas un petit jardin, il est derrière moi, là vous voyez. Donc on va avoir droit à un beau coucher de soleil sur mon jardin. Et bon, j'ai plein de choses à faire, donc oui, tu peux utiliser cette argile-là, mais bon, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Hein. Donc il n'y a, pas de souci avec ça. Alors, Deliot, quelle est votre espèce de coï favorite? Les espèces que vous aimez le moins? Bon, j'ai pas vraiment une espèce que je n'aime pas, donc ça c'est déjà une chose. Si ce n'est que le chouchoui, parce que bon, c'est un poisson qui est particulièrement difficile à prendre en photo, mais ça c'est par rapport aux photos, mais c'est pas par rapport à l'espèce en elle-même. Donc voilà, alors mon espèce favorite, c'est le kohaku, on dirait un poisson rouge et blanc, mais si vous commencez à regarder vraiment de très près ce qu'est un kohaku, croyez-moi que c'est pas facile du tout. Et que, bon, voilà, pour avoir un beau kohaku, c'est vraiment la galère. Ou bien c'est impayable, donc c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, comme je n'ai pas gagné au loto, ben, je ne peux pas me payer des koi exceptionnels. Mais bon, j'ai de très belles pièces quand même chez moi. Le kohaku et le sanke, c'est certainement mes deux koi favoris, avec le showa, bien entendu. Donc, le go sanke, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire ces trois variétés-là. Alors, de Michael Brunson, quand tu dis oui, je sais, je l'ai fait dernièrement avec une pompe, et quand je l'ai fait trois jours après, c'est toujours du moisi. Aimons-nous aller changer une fois par semaine, moitié bac? Faudrait essayer d'écrire un peu plus clairement parce que c'est un petit peu du chinois. Donc, je suppose si tu l'as fait avec une pompe, c'est une pompe spéciale pour aspirer, parce que si tu n'aspires pas vraiment bien le fond et que tu n'as pas ces saloperies, ça veut aussi peut-être dire, si tu as de la moisissure comme ça, que tu donnes trop à manger à tes poissons. Parce qu'il ne faut pas donner trop à manger, ça c'est pour la chlorophylle. Hein. Donc, sinon, sans quoi, il y a des dépôts qui se font et c'est vraiment pas une bonne chose. Donc, voilà. Alors, Michael Brunson, acheté des crevettes et un CD blanche, tu peux me conseiller, tu sais, bon, des crevettes, que ça se mange des Alpes, et un peu de saleté dans le fond de... Bon, ben, je comprends pas très bien Michael non plus, acheter des crevettes et un CD blanche, tu peux me conseiller. Des crevettes, tu en trouves un peu partout, hein, tu les prends surgelées, point barre. Moi, je trouve ça quand même un peu beaucoup, des crevettes pour les koi, à moins que tu aies vraiment nanti et que ça te dérange pas. Moi, ça me dérange pas non plus, mais bon, c'est quand même relativement cher, des crevettes. Donc, Rick, menu pour cette année, white jam, coulante en ce moment, ensuite, malamix food,
jusqu'à l'été, suivi de Saki Kerry Grow, et je termine en automne avec Malamix. Bon appétit. Bah oui, c'est de bonnes options. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, de Yves Keller, salut Patrick, j'aimerais savoir si on met des bactéries en mars à 14 degrés et si la température de l'eau dépasse 8 degrés, comme actuellement en Alsace, que se passe-t-il avec les bactéries? Alors, si vous mettez des bactéries maintenant, bon, ben, ça n'aura pas beaucoup d'effet parce que, bon, avec des températures inférieures, je dirais, à 12 degrés, les bactéries ne sont pas tellement actives. Donc, elles seront là, elles vont s'installer, certainement, mais sans être productives. Donc, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant de mettre des bactéries. Attendez que les températures remontent, et comme ils annoncent un refroidissement, je suppose que l'Alsace sera compris dedans. Donc, voilà. Attendez que la température de l'eau soit au moins 14-15 degrés. Et là, ça vaudra la peine de mettre des bactéries vraiment dans le bassin. Alors, de Patrice, arrivée bonde de fond par-dessus le bac de décantation, traversée tuyau en 110. Bonde de fond arrivée par-dessus le bac de décantation, absolument pas une bonne idée. Il faut impérativement que les bondes de fond arrivent dans le bas, parce qu'en plus, il faut pouvoir vidanger ces bondes de fond. Donc, c'est vraiment pas un bon plan. Ce que je te conseille, Patrice, c'est de faire un petit schéma détaillé de ce que tu voudrais faire, et puis on pourra le prendre, comme j'ai déjà eu montré un exemple de quelqu'un d'autre, on peut le prendre et en discuter ici sur les lives et te guider de comment faire, etc., etc. Parce que là, créer un jump au-dessus de la décante, ça va vraiment pas être bon du tout, ça va pas marcher du tout non plus. Donc voilà. Alors, Dave Keller, salut Patrick, merci pour tes émissions en direct. Les bactéries genre Anarex, ça peut se mettre à quelle température en début de saison? Ben, j'ai déjà répondu, donc 14-15 degrés idéalement. Donc ça sert à rien de le faire avant parce que bon, les bactéries ne seront simplement pas actives. Alors, Deliot, pour démarrer un bassin avec les circonstances actuelles, c'est mieux d'attendre le printemps prochain ou non, ou alors débuter à la fin du confinement total. Bon, moi, ce que je te conseille, Deliot, c'est que tu le mets en, si tu as fini ton bassin, c'est de mettre l'eau dedans, bien sûr, et de le faire tourner. Même si tu ne fais pas d'apport en bactéries ni rien du tout, fais-le tourner. Et crois-moi que tu vas gagner énormément de temps parce que bon, la biologie se mettra en place d'elle-même, mais il faut un peu plus de patience et tout, hein. Donc, et après, dès que le confinement a terminé, va chercher des bactéries et tu fais un apport en bactéries et puis voilà, ça sera parti. Et des poissons, bien entendu, hein. Donc, pour l'instant, c'est pas possible de se faire livrer des poissons parce que France Express a arrêté les livraisons de vivants. Donc, il faudra attendre la fin du confinement pour y voir un peu plus clair. Mais bon, dès que tu as la possibilité, tu fais tourner sans rien d'autre aujourd'hui. Et quand tu vas mettre tes poissons, eh bien, à ce moment-là, tu mets les bactéries et les poissons. Et ça devrait bien se passer. D'autant plus qu'on attend quand même quelques semaines de supplément en termes de confinement. Donc, bah ton bassin sera complètement prêt pour accueillir les premiers poissons et à passer une très belle saison avec ton nouveau bassin. En tous les cas, bah, Elliot, ce serait sympa, envoie-nous quelques photos hein, de voir un petit peu qu'est-ce que tu as fait. Alors, Johan, bonjour. Quelle pompe mettre en sortie backwash pour envoyer à l'égout? Quelle pompe mettre? Bah, il faut. Vous allez dans le Brico près de chez vous, quand il sera ouvert bien sûr, et vous prenez une pompe vide-cave pour recharger. Ça c'est important parce que bon, on a quand même des grosses merdes qui vont transiter par là. Donc tu prends une pompe pour recharger. Ça devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Alors 1985, merci pour ta réponse. Tes amis du Japan Koi sont encore ouverts. J'ai un poisson réservé depuis leur retour du Japon. Oui, c'est ouvert.
Japan Koi sur rendez-vous, donc il faut téléphoner avant. On va d'ailleurs avoir sans doute un petit live dans un jour ou deux avec Arnaud et Corentin, donc toujours au travail de Skype bien sûr. Mais vous pouvez sans problème leur téléphoner et prendre un rendez-vous et récupérer les poissons qui sont réservés. Olivier, en colère, RP2.0, salut à tous, à toi aussi. Alors, Cédric Alves, salut Patrick, fais mon traitement au Lernex aujourd'hui. Au vu du comportement de certains, elle devrait en avoir besoin. Au passage, merci pour l'info sur les promos des microscopes sur ta dernière vidéo. Bah, écoute, si je peux vous aider à quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Bon, maintenant, je commence à avoir des mails qui arrivent tout doucement avec des gens qui commencent à avoir d'hydrophysie, c'est-à-dire le poisson qui devient qui gonfle comme une pomme de pin où les écailles se relèvent. Donc ça veut dire que bah, tout doucement, bah, les gros problèmes vont commencer à s'amonceler. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont actifs dans la profession, bah, ça va être vraiment très compliqué pour vous. Un bon conseil, pour le début du printemps, si vous n'avez pas encore fait de changement d'eau, bah, faites-le à raison de 30%, pas plus. 30% de changement d'eau pour redémarrer la saison correctement. Donc ça, c'est vraiment important de bien nettoyer votre filtre. Toujours avec l'eau du bassin, le nettoyage de filtre, hein, je rappelle, c'est très important, avec l'eau du bassin, et puis normalement, tout devrait bien se passer. Alors, pour l'hydrophysie, bah, les causes de l'hydrophysie ne sont pas vraiment déterminées, c'est multiples causes, mais la majorité du temps, c'est une question de sous-filtration ou de manque de changement d'eau. Donc, les deux sont liés, bien entendu. Voilà, donc on commence avec ça, et puis après c'est compliqué l'hydrophysie. Hein. Donc voilà. Alors, De Jon Bidon, salut Patrick. Pour les. Excusez-moi, j'ai pas oublié quelqu'un. Pour tes airlifts, tu as rencontré des problèmes de surchauffe de tes pompes à air. Quelle puissance débit font tes pompes? Alors, moi j'utilise des pompes de 40 litres minute, mais je n'ai pas de problème de surchauffe, c'est simplement. Avec le temps, bon, ça fait quelques années que ça tourne quand même, les membranes qui cassent, c'est pas pour autant que la pompe elle est foutue, il faut changer la membrane et puis c'est tout. Donc, c'est rien d'autre, c'est la seule chose que j'ai eu comme souci avec les airlifts. Donc, rien de particulier ou de difficile à résoudre. De Jérémy Yarbot, merci Patrick concernant l'argile et aujourd'hui le son est nickel, merci. Ben écoute, le son est nickel pour la bonne et simple raison que je ne suis pas avec Skype. Et quand je suis avec Skype, bien sûr, ça dépend de la qualité du son qui arrive jusque chez moi. Alors si on a un son de misère comme c'était un petit peu le cas hier, ben forcément vous entendez un son de misère. Je peux pas faire plus, ça dépend énormément du PC qui est raccordé, bien sûr. Et voilà. Alors, de Karachi 62, il me reste de l'optinite. Est-il mieux de le mettre quand l'eau sera à température plutôt que du bactogène? Ben, l'optinite, ça n'a strictement rien à voir avec du bactogène, donc tu peux mettre ça quand tu veux, l'optinite. Alors, Derek, je m'interroge sur la reproduction dans un bassin. J'ai l'impression que ça risque de créer plus de problèmes que de satisfaction. Non, ce n'est pas un risque, c'est une certitude. En fait, il faut savoir que les alevins polluent beaucoup plus beaucoup plus qu'on imagine. Et que bon, généralement, quand on a beaucoup d'alevins dans un bassin, c'est réellement un problème. Avoir un beau poisson qui sort des alevins, c'est vraiment exceptionnel. Les éleveurs, ils produisent des millions d'alevins et ils en gardent que quelques-uns à la fin. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont très stricts dans la sélection. Et bon, tu vas avoir des poissons immondes qui vont survivre. Et c'est tout, ça ne t'apportera rien de particulier. Enfin, chacun fait comme il veut, hein, tu peux toujours essayer. Hein, moi, je l'ai essayé aussi. Hein, donc, ça m'a posé plus de problèmes qu'autre chose. Donc, voilà. Alors, de Michael Brunson, merci pour tes questions. Et la pompe, ça sert à retourner les cailloux? J'ai acheté des crevettes pour manger un peu les algues, je suppose.
faut faire attention au correcteur automatique, hein, parce que sinon ça ressemble plus à rien. Et les déchets qui restent au fond du bac, je te dis bonne journée. Bonne soirée à toi. Et ben voilà. Ça retourne les cailloux, ben c'est ce qu'il faut, hein, c'est enlever les crasses qu'il y a sous les cailloux. Ça, c'est pour l'aquarium, bien sûr. Diane Rogue, bonjour, nous avons plus de nouvelles de l'Oasis. Ben, moi non plus, j'ai pas de nouvelles de l'Oasis. L'Oasis était un de mes partenaires il y a quelques années, et puis ils ont décidé de ne plus être abonnés à ma chaîne. Et puis voilà, donc je ne peux pas dire plus. Chacun est libre de faire comme il veut. Hein, moi, j'aimais bien aller à l'Oasis, c'était vraiment sympa à l'époque, etc. Ils ont choisi d'autres options, ben c'est leur choix, c'est leur liberté, et puis voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Après, c'est comme ils veulent. Si vous voulez que l'Oasis revienne dans la chaîne, eh ben c'est pas compliqué, vous en parlez quand vous allez à l'Oasis. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire plus. En tous les cas, moi, je ne le ferai pas. Je ne suis pas là pour harceler les gens, pour absolument avoir des partenaires supplémentaires. S'ils veulent revenir, moi, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus, j'ai jamais eu d'accroc avec eux, donc pas de problème. Alors, de manière Sébastien, salut Patrick, sais-tu me conseiller pour un UVC pour 10 mètres cubes, quelle marque et puissance? Ben, ça dépend déjà pour commencer si tu es en gravitaire ou en pompé. Si tu es en pompé, tu as toutes les marques. Moi, j'avais sur un 15 mètres cubes, j'avais un 55 watts. Mais tu n'es pas obligé, hein, tu prends un 30 watts, c'est largement suffisant pour un 10 mètres cubes. Hein. 30, 40 watts. Alors, tu prends 55 watts, tu es sûr que ça le fera, quoi. Hein. Des 55 watts, il y en a tant que tu veux sur le marché. Il n'y a pas vraiment une marque plus conseillée qu'une autre, donc voilà. De 1985, j'ai fait un changement toutes les semaines. Faut apporter des bactéries à quelle fréquence? Ben, l'apport de bactéries se fait en général une fois toutes les semaines, mais bon, il n'y a pas d'obligation non plus. Hein, ça c'est une belle aide pour la filtration d'avoir vraiment cet apport de bactéries, et ça met aussi en concurrence avec les anaérobies, c'est-à-dire les anaérobies, c'est ce qui est en général pathogène dans le bassin. Donc cette concurrence entre les bonnes bactéries, hein, voilà, régulièrement, va maintenir un taux élevé de bactéries dans le bassin, ce qui va pas plaire du tout aux anaérobies, et ce qui est une bonne chose en fait. Hein. Donc après, il n'y a pas d'obligation non plus. La nature, en général, elle parvient quand même à s'équilibrer toute seule. Maintenant, il ne faut pas oublier que les coilles sont des gros pollueurs et que bon, par rapport à ça, de temps en temps, il faut donner un coup de pouce à la nature, et les bactéries, c'est certainement une bonne idée. On dit toujours comment je veux dire, 4 canards est égal à un coï, donc en termes de déchets, 4 canards est égal à un coï. Comment ça? Attends, j'ai perdu mon fil. Un cochon, pardon. Un cochon est égal à 4 canards. C'est ça. Donc, un cochon est égal à 4 canards. Et 4 coïs est égal à un canard. Donc, faites le compte. C'est terrible ce que les coïs peuvent salir. Alors, Doric. Karachi 62, pardon. J'ai eu la reproduction l'année dernière, un seul tosseil qui m'a fait maintenant 5 cm. Il me reste tout le temps caché sous la pompe et ne vient pas manger. Il sort de temps en temps, est-ce normal? Oui, parce qu'il est très petit, il est certainement intimidé par les plus grands poissons qui sont dans ton bassin. Ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment anormal. À un moment donné, il sortira, hein, quand il sera un peu plus grand. Alors, Rick, sympa le direct hier avec Nico. Ben écoute, merci, hein, ferez la communication à Nico, ça lui fera plaisir. Enfin voilà, c'était une occasion de revoir Nico aussi, et puis bon, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, comme vous le savez. De Jérémy Awott, est-ce qu'il faut mettre du super tap toutes les semaines? Non, ce qu'a dit Nico hier, c'est qu'il en met régulièrement, tout simplement parce que c'est un magasin, et que la concentration en poisson est énorme.
Donc, le super tab, on met du super tab si on commence à avoir une attaque bactérienne ou des choses comme ça. Moi, je vous dis, c'est quelque chose qu'il faudrait avoir en permanence chez soi au cas où il y a vraiment une attaque bactérienne pour diminuer la pression bactérienne dans le bac. Donc, c'est facile à utiliser, ça va très vite. Et voilà. Donc, ça, c'est le conseil qu'on peut donner. De Cédric, pour le super tap, plutôt que de le diluer en une pastille dans une bouteille, si le bassin a moins de 20 mètres cubes, est-il possible de casser les pastilles? J'ai encore jamais eu, je sais à quoi elles ressemblent. Ben, le super tap, c'est une grosse pastille. Hein. C'est une grosse pastille, donc tu peux la casser éventuellement, oui. Ça ne pose pas vraiment de problème. Patient Japon, salut à toi. Alors, Dalin Cross, comment faire pour ne pas avoir de reproduction? Ben, c'est pas difficile. Soit tu n'achètes que des femelles, mais il faut être certain que ce sont que des femelles. Soit tu achètes que des mâles, et il faut être certain que ce sont que des mâles. Alors bon, les mâles en général vont coûter moins cher que les femelles. J'ai dit en général parce qu'il y a des mâles qui coûtent beaucoup plus cher. Et voilà. Après, le problème, c'est que tu seras obligé d'acheter que des nisei parce que bon, en tant que tosai, donc des koi d'un an, c'est impossible de les sexer. Donc, tu auras toujours l'un et l'autre et forcément, bah, tu auras des naissances. Et puis, moi, il y a 2 ans, j'ai eu des naissances chez moi. Ça s'est bien passé parce qu'ils ont bouffé quand même 99% des poissons, mais enfin des alevins plutôt. Mais il en est resté une vingtaine quand même. Et puis l'année passée, il y a eu du frais bien sûr, mais il n'y a pas eu de survivants. Donc voilà, donc j'étais très content parce que ça fait des ennuis en moins. Y a-t-il un risque de maladie avec les bactéries, avec les batraciens dans nos bassins à coï? Il y a toujours un risque avec les batraciens qui, eux, ramènent forcément des saloperies de l'extérieur. Donc ça, c'est facile à comprendre. Hein. C'est un petit peu comme avec la pandémie maintenant. Hein. Donc forcément, ils ramènent toujours d'autres bactéries, etc., qui peuvent déclencher une pression bactérienne énorme dans le bassin. Ben, en principe, ça ne devrait pas, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, ça n'a aucune incidence vraiment sur les poissons. Il faut juste faire attention avec les batraciens, surtout pour les crapauds. Parce que les crapauds, là, c'est une autre histoire. Les crapauds, ce sont des grands amoureux. Et le problème des crapauds, c'est qu'ils s'accrochent à tout ce qui bouge. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Ce qui fait que un crapaud peut très bien s'accrocher sur la tête d'un koï et crever les yeux d'un koï. Donc, faut faire attention justement avec les crapauds. Alors, de Daniel, bonjour Patrick. Lors du changement d'eau, faut-il prendre de l'eau du robinet qui est chargée en chlore ou le laisser reposer dans un cubi? Non, tu peux, tu prends ton arrosoir et tu fais un brouillard, si tu veux, enfin pas un brouillard, mais un jet diffus. Et ça va se diluer de lui-même. De toute façon, les taux de chlore qui seront dans le bassin seront très faibles par rapport au volume du bassin lui-même. Donc, pas besoin de laisser décanter ou quoi que ce soit. Donc, tu peux utiliser l'eau du robinet sans problème. Alors, de Bernard Sébastien, pompage. Ben, je suppose, c'était une question avant. Ben, j'aurais dû répondre à ça. Mabruk Massi, bonjour Patrick. Je trouve que mes ils aiment bien le courant. Donc, je me suis demandé que je pourrais installer dans le bassin une pompe de brassage comme celle bac d'eau salée. Qu'en penses-tu? Oui, à condition que vous n'oubliez quand même pas que ce sont des carpes et qu'une carpe, ce n'est pas une truite. Hein. Donc, déjà, le brassage, oui, mais bon, pas en permanence. Donc, on fait le brassage 1 heure, 2 heures par jour et puis voilà, c'est tout. J'ai vu, malheureusement, il n'y aura pas Interzoo cette année, parce que Interzoo, c'est une grande foire où on voit beaucoup l'industrie de Chine, etc., qui vient à Interzoo. Il existe, c'est sorti il y a 2 ans, mais je ne sais pas où on peut trouver ça en Europe, pour l'instant, des pompes spécifiques brassage pour bassin. Donc, ce sont des pompes avec un système à hélice. Qui est assez large et qui se pose dans le bassin et qui va créer un courant.
Mais bon, voilà, après je ne peux pas te donner plus d'indications que ça. De Johan, un UV de 110 watts pour 15 mètres cubes, est-ce que c'est trop ou pas? Bah oui, c'est un peu beaucoup pour 15 mètres cubes, 110 watts, hein, 55, ça ferait largement l'affaire. Maintenant, avec 110 watts, tu ne crées pas de malaise dans le bassin, hein, rassure-toi, mais bon, ça, tu vas créer un malaise dans ta note d'électricité, c'est tout. Mais mauvais pour le bassin, ça ne sera pas, mais bon, ça consomme 110 watts. Hein, 55 watts consomme 55 watts. Sachant qu'en général, on le laisse tourner 24 heures sur 24. Ça commence à coûter à la fin d'année quand même. Hein. Donc, ça c'est pour Johan, NGR officiel. Bonjour, quelle pompe pour mon bassin de 4,50 m de long sur 1,50 m de large et 1 m de profond? Alors, ça fait grosso modo 7 m3. Quelle pompe mon bassin? Tu prends une pompe de 7 ou de 10 m3 pour être tranquille. 10 m3, ce serait vraiment idéal. Essaye d'acheter une pompe de 10 m3 avec régulateur, de telle sorte que tu peux diminuer le pompage et ça sera tout bénéfice dans la consommation, puisque une pompe de 10 m3 que tu fais tourner à 60% va consommer la moitié moins que si elle tourne à fond la caisse, quoi. Donc voilà. Alors de Elliott, quel métier existe-t-il autour de la carpe koi? Bah, il n'y a pas vraiment de métier, si ce n'est qu'au Japon, qui sont les éleveurs, qui sont des pisciculteurs en finalité. Donc, il n'y a pas de métier particulier, je veux dire. Hein. Vos spécialistes sont tous des gens qui ont appris sur le tas, comme on dit. Il y a quelques-uns qui ont appris évidemment à l'école pour faire des études de pisciculture. Mais bon, il n'y a pas de métier vraiment spécifique pour le monde du koi. 1985, super tes réponses et tes conseils, très enrichissant, merci, continue comme ça. Ben, ne t'inquiète pas, je ne suis pas prêt d'arrêter, sauf si évidemment, je suis condamné à mort, comme pas mal de gens, et ben voilà, j'espère que je passerai à côté, et puis moi je vous le souhaite aussi, bien sûr. Alors, Jérémy Awott, à quoi reconnaît-on une attaque bactérienne? Ah, ben ça, tu le reconnaîtras vite, hein. Tu commences à avoir des poissons qui attrapent des rougeurs, bien souvent au niveau ventral, et puis ça va très vite. Si on ne réagit pas rapidement pour endiguer l'attaque bactérienne, les premières mortalités peuvent arriver en moins d'une semaine, hein. Donc c'est très 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 rapide, donc il faut absolument baisser la pression bactérienne quand on arrive à avoir une attaque bactérienne. Alors, de passion Japon, je crois que Super Tap, si c'est un cachet, fait trop, on peut en garder la bouteille, si tu en fais trop, on peut garder la bouteille, un mois, dans une bouteille opaque avec des températures ambiantes plutôt que de galérer à coup de cache à tous les cachets. Oui, en fait, c'est clair, Super Tap, moi je ne le mets pas, je ne dilue pas dans une bouteille, hein, je le mets directement au niveau du filtre, c'est plus facile. Donc à la sortie du filtre, de telle manière que voilà, ça va se décomposer et puis ça va quand même finir dans le bassin. NGR, que faire contre les points blancs? Un de mes poissons en art, si c'est vraiment du point blanc, c'est du FMC. Mais bon, aujourd'hui ça devient compliqué en avoir du FMC parce que toutes ces substances, c'est du formol, malachite et méthylène. Mais toutes ces substances maintenant sont réglementées, donc en principe on ne peut pas les avoir. Si ce n'est qu'avec prescription de vétérinaire, ce qui ne va pas vous simplifier la chose, surtout si vous êtes en France. Donc voilà, en Belgique il y a encore pas mal de vétérinaires mais qui s'occupent de poissons, mais en France c'est plus compliqué, donc essayez d'en avoir du FMC, mais bon voilà. Audric, si les koi mangent les œufs des grenouilles, pas terrible j'imagine, bah ça ne changera pas grand chose, hein. S'ils les mangent, bah tant mieux, je dirais. Sinon, tu vas avoir une invasion de grenouilles au lieu d'avoir une invasion de koi. Mais bon, ouais, ils peuvent les manger, hein. Ça leur fait des protéines.
Et puis voilà, donc c'est pas, ça ne pose pas vraiment de problème. De Elliott, une bande de fond avec un diffuseur d'air est-il important ou une bande classique suffit? On en a discuté hier avec le live d'hier, les bandes à diffuseur d'air, moi je suis pas pour, tout simplement parce que quand ça tombe en rack, que la membrane elle est cassée ou n'importe quoi, eh bien bonne chance pour aller la réparer. Ça va être méga compliqué. Moi je préfère des bulleurs séparés et c'est beaucoup plus simple. Il suffit de tirer sur le tuyau pour le sortir et intervenir dessus. Tandis que bon, sur une bande de fond, c'est pas possible. Et une fois que ça marche plus, ben ça marchera plus. Et puis il faut faire de la plongée pour aller chipoter après. Hein. Ça c'est le gros problème. Alors, Renaud, bisous. Bonjour Patrick, j'ai plein d'algues filamenteuses. Que conseilles-tu? Ah ben ça, t'as deux possibilités, Renaud. Tu devrais dire où tu es localisé. Soit dans la partie sud de la France, où les températures sont supérieures à 15 degrés, je parle de la température de l'eau, et là tu pourrais utiliser du bactogène et du biobooster, enfin biobooster et bactogène, et bon voilà, ou bien tu es plus dans le nord, hein, et bien là dans ce cas-là tu dois attendre que la température de l'eau remonte à 15 degrés. Avant ça tu ne sais absolument rien faire, si ce n'est que d'utiliser des produits à base d'oxyde de je sais pas tout quoi. Enfin, et ça c'est extrêmement néfaste pour les poissons, donc c'est pas une bonne idée. Donc il faut prendre son mal à patience, attendre 15 degrés dans l'eau, et puis après on peut intervenir avec du bactogène et biobooster. Alors, là, de Marie, tombe pas dans l'eau. Ben non, je vais essayer de tenir en équilibre, hein. Voilà, notre ami Nico, ben, j'ai vu, je sais pas si tu as vu, mais tu as un message qui t'est adressé, là, que c'était, il y en avait plusieurs, là, c'était vraiment, ils ont bien aimé ton intervention, malgré un son qui n'était pas terrible. Passion au Japon, c'est clair que la base du bassin, c'est la filtration. Ah ben bien sûr, mais il n'y a pas que la filtration. Hein. La filtration n'est jamais qu'un des éléments pour faire fonctionner un bassin. Un bassin, c'est un ensemble. Hein, c'est comme dire, tiens, oui, voilà, c'est quoi la qualité d'un koi? On en a discuté hier avec Nico. Ben, c'est aussi un ensemble. On ne juge pas un koi sur le pattern ou sur rien que la qualité de la peau ou que sais-je encore. On juge un koi sur son ensemble. Et un bassin, c'est pareil. Donc, il faut vraiment avoir tout qui soit en équilibre pour que ça fonctionne correctement. Alors, Dominique, combien de centimètres entre le chapeau et la bande de fond et la vache? Ah, entre le chapeau de la bande de fond et la vache. Bah, ça dépend de la taille de tes poissons. Hein. Moi, je déconseille de mettre les chapeaux. Je dis, moi, j'utilise des grilles parce que si ça dépend de la taille du bassin. Si c'est un petit bassin, on peut utiliser les chapeaux. Si c'est un très grand bassin, comme chez moi, par exemple, il faut tirer un filet pour pêcher les poissons. Et tirer un filet avec des chapeaux, ben c'est bonne chance. Hein. Après toi, devoir faire de la plongée, parce qu'à un moment donné, le chapeau il va se faire la malle, hein, donc et tu vas avoir des problèmes avec ça. Surtout si tu remplis ton bassin sans avoir rempli précédemment les bandes de fond avec de l'eau, parce que sans quoi, il y a tout l'air qui va remonter à un moment donné, et ça va créer une grosse cloche en dessous de la bande, et pouf, elle va remonter toute seule. Alors, d'Alex, que penses-tu de l'e-tronic pour éliminer les algues filamenteuses? Alors, je vais être extrêmement clair, c'est de la merde. C'est un truc qui fait de l'hydrolyse avec du cuivre, et c'est extrêmement nocif pour les poissons. Donc c'est la même chose si toi on te fout ton pot d'échappement dans la tronche, tu vas pas apprécier après un certain temps, mais pour les poissons c'est pareil. Je trouve que l'e-tronic pour les algues filamenteuses, ça devrait être interdit sur le marché. Donc ça c'est clair, j'espère que vous avez bien enregistré ce truc, ça devrait être retiré du marché. C'est quelque chose que je n'accepte pas, qu'on puisse flinguer des animaux
hein, parce qu'il y a des algues filamenteuses. Non, il y a du biobooster qui permet de régler le problème des algues. Évidemment, il faut refaire ça plusieurs fois par an, mais ça ne présente pas vraiment un gros problème. Hein, donc, les algues filamenteuses ne sont en aucune façon un danger pour les poissons. C'est uniquement esthétique. Point barre, c'est tout, c'est rien d'autre. Donc, l'itronique, non. Maintenant, si tu mets de l'itronique, eh ben, tu n'auras plus d'algues, mais après un certain temps, tu n'auras plus de poissons non plus. Voilà. Et si tes poissons vivent encore, ben, ils vivront mal. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cet appareil. Je trouve un scandale qu'on voit encore. Donc, Elliot, pour 20 mètres cubes, un UV de 55 watts suffit. Ça, par contre, pour 20 mètres cubes, ça va être un peu juste. Ça fait 2 watts à day. Il faut 4 watts par mètre cube. Donc, tu fais le compte. Pour 20, ça fait 80 watts. Donc, 80 watts, ça n'existe pas, je pense. Donc, on va passer sur un 110 watts pour 20 mètres cubes. Voilà, Elliot. Dominique, doit-on coller le chapeau de la bombe de fond? Non, on ne doit pas la coller, mais bon, il faut la mettre en œuvre et bien la régler. Bon, ça dépend de la taille des poissons, hein, principalement. Hein, ce chapeau n'est pas vraiment impératif. Donc, mais la coller, certainement pas. Parce que s'il y a une cloche d'air qui se fait par le dessous, de toute façon, à un moment donné, elle se fera quand même la malle, ta cloche, hein, donc ton chapeau. Donc, à un moment donné, ça partira quand même. Alors Rick, bonne soirée à tous. Je suis persuadé que le confinement finira par nous rapprocher. Prenez soin de vous. Bah écoute, bah oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à tout le monde, évidemment, hein, de pouvoir peut-être un jour faire une grande fête, hein, pourquoi pas. Peut-être que quand ce sera l'été, pourquoi pas faire un grand barbecue au bord du bassin qui est derrière moi. Il y a assez de place pour accueillir pas mal de monde. Et je pense qu'on pourrait peut-être organiser un petit quelque chose là-dessus, hein, si chacun ramène de quoi se sustenter et de quoi surtout se désaltérer, eh ben ça devrait être sympa. Donc pourquoi pas. Donc Johan, carpe sauvage avec les coeys, ça pose des problèmes? Pas vraiment. Bon, bien sûr, s'ils sont complètement parasités, ça pourrait poser des problèmes. Donc il faut leur faire une quarantaine, c'est tout. Donc, de Renault Bissio. Bissio, pardon. J'ai un bassin de 10 mètres cubes et ma filtration se compose d'un prélèvement filtre à gris, suivi de brosse, deux tapis japonais, deux biasseurs à pompe. Quelle amélioration peut-on faire pour optimiser au mieux? Un filtre à gris, suivi d'une brosse. Donc, je suppose que ce sont des cuves. Hein, des cuves, parce que bon, deux tapis japonais, c'est pas beaucoup, et des biocérapones non plus. Bah, remplace ton biocérapone par des tapis japonais, ça ne peut marcher que mieux. Parce que le biocérapone va poser des problèmes par la suite, parce que ça va finir par se décomposer, et on va retrouver des petits morceaux de biocérapone partout dans le bassin. Et comme les coeys sont des poissons fouineurs, ils vont les ingérer, et ça, c'est pas très bon pour eux. Et il suffit que tu manipules un petit peu les biocérapones pour te rendre compte que c'est très coupant. Donc, vaut mieux d'ailleurs te couper les doigts que ton estomac, c'est juste pour te dire. Je connais déjà ta réponse, mais je voulais t'entendre gueuler un peu. Ah ah! Ben écoute, c'est raté, je suis un peu calme aujourd'hui, j'ai été pas mal occupé dans le jardin, donc je suis fatigué. Alors, Thomas, bonsoir. Rick, ok, j'amène les merguez et l'élève. Très bonne idée, Rick. Ben ça, il faudra vraiment qu'on organise, hein, parce que je crois que tout le monde en a déjà marre maintenant et ça risque de durer encore pas mal de temps, ce confinement. Et je pense que quand tout sera fini, eh bien, de faire une belle fête pour tous se retrouver autour de notre passion, ce serait vraiment fantastique. Alors, de Dominique, où trouve-t-on des grilles? Pour les bombes de fond, dans les marchands de matériaux, ils vendent ça notamment. Donc, des grilles qui seront pas tout à fait exactes en taille, mais qui sont facilement adaptables. Donc, voilà. Pour Cédric, mon bassin fait 8 mètres cubes, une pompe de fond de 10 mètres cubes, un skimmer avec une pompe de 8 mètres cubes. Pour l'instant, mon UV est sur la pompe de fond. Mais me bride le débit.
Serait-il aussi efficace si je le mets sur le skimmer? Principe, ça ne devrait pas faire beaucoup de différence. Voilà. Donc tu peux le faire. Tu verras bien hein, s'il arrive à suivre ou pas. Pour la prochaine fois, possible d'avoir une photo sur la brouette du fond. La brouette du fond. Ah! Ben, la brouette du fond, elle est là parce que tout simplement, si je tire ma tête, vous voyez, en fait, il y a une pente qui est derrière la plante qui se trouve là-bas. Je ne peux pas vous le montrer. Peut-être ici. Attendez, je vois. Est-ce que je sais? Non, je ne sais pas. Montrer ici. Je ne sais pas. En fait, la tondeuse, c'est compliqué parce que je suis à l'envers. La tondeuse remonte par là pour arriver à faire toute cette zone ici. Et pour l'instant, je ne voulais pas qu'elle remonte la tondeuse pour faire la partie du dessus. Parce que j'ai coupé ces plantes-là. Et en fait, toutes les branches sont encore par terre. Je n'ai pas eu le temps de les enlever. Donc, du coup, la tondeuse, elle se bloque. Tondeuse qui se trouve, hop, ici. Vous voyez, en orange, juste à mon épaule. Donc, voilà. Pour l'instant, ben, c'est à l'arrêt. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de plantations. Et bon, je ne peux pas être partout à la fois. Mais bon, je suis pas mécontent. J'espère que le résultat sera sympa. Il y a encore pas mal de choses à faire dans le jardin. Mais bon, chaque jour suffit sa peine. Et puis, j'espère que vous aussi, vous nous ferez à des jardins magnifiques cette année, puisque vous avez le temps de remuer la terre, de faire des plantations et tout ce que vous voulez. Enfin, du moins pour ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui travaillent, ben, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Alors, aquarium et décoration de Noël. Hein, drôle de pseudo, ça. Bonjour, j'ai des poissons rouges. Est-ce que je peux éteindre la nuit, la pompe? C'est pas conseillé. Voilà, donc d'autant plus que les poissons rouges reproduisent très vite, donc tu risques d'avoir des problèmes à terme si tu coupes la pompe. Et il vaut mieux laisser la filtration comment je dis, jour et nuit. Alors GG, que penses-tu des larves de soldats de mouches noires? J'ai nourri l'année dernière en frais vivants et surgelés. Je ne suis pas déçu du résultat personnellement. Bah, écoute, ça ne doit pas être mauvais. Hein. De toute façon, bon, les larves sont des larves. Hein. Ça contient pas mal de protéines. Donc, a fortiori, oui, pourquoi pas. Alors, de fil 76, grand merci pour tous ces renseignements et ta gentillesse. Ben, avec plaisir. De Rick, félicitations, magnifique jardin. Merci à toi. Enfin, hein, il n'est pas encore tout à fait magnifique. Hein. Il commence seulement à exploser. Donc, d'Eliott, quel bulleur tu me conseilles pour une bonne aération pour aérer à 20 mètres cubes? Bah, les bulleurs, c'est pas tant les bulleurs hein, qu'il faut. Moi, j'aime bien les bulleurs plateaux, hein, des disques, parce que c'est facile à utiliser. On peut utiliser des tuyaux déjà d'un diamètre plus important que du 4 mm. Et bon, comment dire, ces bulleurs-là fonctionnent bien en général. Par contre, bon, 20 mètres cubes, prends une pompe de 100, 110 litres et tu en branches plusieurs plateaux comme ça devrait le faire très bien. Alors, de Gilbert, j'ai un bassin un peu surpeuplé. Que puis-je faire? Ammoniac 0, NO3 100, NB, Life Super, impeccable contenu. Alors, Gilbert, c'est pas compliqué, commence directement par faire un changement d'eau de 30%. Et ça devrait déjà commencer à remettre un peu d'équilibre dans tout ça. Si évidemment tu continues à avoir des nitrites, là il faudra vraiment faire quelque chose parce que ça veut dire que ta filtration ne fonctionne pas, hein, même si ou que tu es en sous-filtration. Donc, mais commence par 30% de changement d'eau au minimum. Alors, comment faire pour ne pas avoir, pas que le bassin gèle? Ben, tu sais, c'est pas compliqué, il suffit de mettre un bulleur là où il y a le bulleur, ça gèlera jamais. Donc voilà, c'est tout, simplement laisser un bulleur fonctionnel quand il y a des fortes gelées. Alors, de Renault, le tapis japonais est meilleur que le biocérapone en matière de colonisation? Ah oui, il n'y a pas photo entre les deux. Peut-être que je vous expliquerai le pourquoi d'ailleurs de tout ça, parce que c'est facile de dire, oui, aïe, aïe, aïe. Le tapis japonais, hein, ça marche mieux que le reste. Moi, ce que j'apprécie particulièrement au tapis japonais,
c'est sa rapidité de colonisation. Tous les autres éléments sont beaucoup plus lents à se coloniser. Donc ça c'est déjà un point. Mais il y a une raison pour laquelle ça se colonise vite. Et un jour je vous ferai un exposé peut-être là-dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Alors de Dominique, EPDM a-t-il un endroit et un envers? En principe, oui, mais bon, même si tu le mets à l'envers, ça n'aura pas un gros effet négatif sur les PDM. Donc, aquarium décoration, pour avoir un beau oxygène dans le bassin eau, il faut que je rejette à la surface pour avoir un beau oxygène dans le bassin eau, faut-il? Non, il faut pas. Tu peux créer un remous à la surface, mais l'idéal c'est de mettre un bulleur avec une pompe à air, tout simplement. Alors, de Jérémy, salut Jérémy, j'imagine bien Patrick avec un slip éléphant au barbecue et au-dessus de la filtration en train de cuire nos merguez. Eh bien écoute Jérémy, tu n'es pas si loin de chez moi, hein, tu es en Alsace, hein, je pense, Jérémy. Donc, il faudra venir faire un tour ici, hein. Comme ça tu me verras en train de cuire les saucisses, les merguez et tout le reste. Hein, on essaiera de faire un truc. Non, je déconne pas quand je dis qu'on essaiera de faire un truc. Je crois que on a tous besoin de souffler un coup et ça serait vraiment sympa de le faire. Donc, je pense qu'il y a possibilité de le faire. Et puis voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que bon, ben, tout ça, coronavirus, me fout dans une merde pas possible. Donc, à l'heure actuelle, je suis encore vivant parce que bon, voilà. Après, je suis en faillite. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on verra bien si je saurais continuer les activités d'Aquatique Nouvelle, rien n'est plus sûr. Mais bon, demain est un autre jour. Bon voilà, ben écoute Rick, je suis content que tu te sens moins bête, ça ne change strictement rien. Moi, je vais vous laisser pour une fois, ben voilà, demain il y aura un invité, donc comme je l'ai dit, Pitou de chez Akiflor. Et l'occasion aussi de lui poser des questions qui vous turlupinent, etc. Et croyez-moi, bon, c'est un gars qui est super sympa. Et c'est très dommage qu'on ne peut pas faire ce live, je veux dire, dans la même pièce, hein, confinement oblige. Et voilà, mais bon, donc demain, rendez-vous à la même heure, hein, ça sera l'épisode 6. Mais, je précise, dans le cas où Internet veut bien, et le matériel aussi, parce que ça devient de plus en plus compliqué pour raccrocher ces lives au réseau. Donc, moi, il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à demain, 18h, même chaîne, même heure. Et puis, en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. On va quand même, avant de se quitter, jeter un coup d'œil combien vous étiez sur ce live. Voilà. Vous êtes 341 présents sur ce live. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée, à très bientôt et à demain. Ciao, ciao.